C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde au sous-channel pour la émission pour la Mon éditorial. C'est toujours un grand plaisir pour nous croiser, pour nous faire un petit bas de bouche, parler politique, parler actualité sociopolitique en dedans pays, en façon pour orienter ou pour comprendre plus bien ce qui a passé en dedans pays. Là, nous avons une situation qui est extrêmement complexe. Dans ce qui est pour avec l'arrestation de Samir Randal en Turquie, dans ce qui est pour avec le dossier extradition principal et suspect et Antonio Palacios Palacios, c'est également Samir Randal. Comment ça va le faire? Gros ensemble de questions, nous allons venir avec vous, gros ensemble de réponses, nous portons pour vous. Mais bien avant, quittez mon remercier pour fidélité, quittez mon remercier parce que vous choisissez, faites-nous confiance pour nous former à informé. Je me suis vraiment pas prendre du temps pour me dire merci parce que ça a partagé expérience n'a fait ensemble là, c'est du jamais vu. Et continuer à encourager le travail là, partager l'émission et surtout inviter vos amis, inviter vos familles, venez abonner avec channel là et comme ça n'a faire autant plus bien ensemble. Là, nous allons rentrer directement dans ça qui est pour avec principale question. Nous allons poser réponse, nous allons gagner chance tant de jodi en là dans ça qui est pour avec dossier et monsieur Sayo yo arrêté. Gagne question qui est extrêmement complexe. Autant que Samir Randal li passé États-Unis pour arriver la Turquie. Pour qui ça États-Unis pas de jambe porter aucun intérêt pour arrêter Samir Randal pendant toute période de transit li aux États-Unis ou bien encore Miami. Pour qui ça? N'a continué avec question yo toujours. Gen moun gon groupe moun qui a parlé différentes langues, qui a parlé anglais, qui a parlé espagnol, yo allé dans bureau juge d'instruction Gary Aurélien, yo allé intimider, zam yo bien armé. À quel fin? À quel fin Gary Aurélien li fait carré a subi pression, li fait carré a subi menace dans ça qui gen pour avec enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Mais tout faut que nous connaît est-ce que li réellement facile, est-ce que li réellement impossible d'où pour ni Antonio Palacios Palacios ta rentré en Haïti, pour ni Samir Randal ta rentré en Haïti, pour yon gen chance pour yon juge, condamné pour za criminel yon fait sous Jovenel Moïse. Déjà là, m'a invité au partager vidéo avec quelques amis, vin di yon émission la émission li en lè, vin gade, vin tende, vin apprendre ensemble. Eh bien, je dis là, moi gen deux produits, m vin présenter nous. Bagay sérieux net, pas gen menti nan ça. Une pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ah, ça t'a dit ça. Donc monsieur, madame, nous sauver. Donc pas gen question plein et zouti monsieur a li piti, li coûte la bay problème non. Genzouti là l'a aidé au. Entre 30 à 90 jours, ou après 3 à 5 cm. Plein, fini, corvéa, fini. D'ailleurs, il n'y a pas de effet secondaire. C'est produit tout à fait naturel, 100% organique. Et d'ailleurs, tout le monde qui a servi avec, tout garçon entre 15 à 75 ans, ou qui a utilisé 15 outils, ou a besoin bon genre résultat. D'ailleurs, pour m'a de la parler de déjà. Pour m'a de la parler pour tête li déjà. Deuxième produit li rele Genbon. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li la li même la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bon. Nous d'ailleurs non parler de li Genbon. Kounya ka prend médicament ça, ou gen bagay nan mon pour frapper.
Donc, monsieur dame, pas nan fè corvée, pas nan fè corvée à la, parce que gen produit pour ou, m'pote produit pour ou, ou karele nan 37-55-46-06 ou en Haïti, 37-55-46-06 ou en Haïti, ou bien tout sou nan international, non karele nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visitez website lan pou pi fasil, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Ou gade la kap pase nan ekran, rele, ekri, mes amis al pran prodwi yo, wap ba mwen rezultat yo nan bouti manit. Comme toujours remè dil, émission mon éditorial c'est pas seulement information et formation. M'gen mission pour m'toujours aller chercher pour te bay public là tout ça qui bon. Et bien jodi a la m'a présenté les produits Rosa. Rosa c'est une entreprise locale 100% haïtien qui a évolué nan mette sou marché a bon jan produits de qualité. Ou ap jwenn spaghetti nan produit Rosa. Ou ap jwenn du riz jaune nan produit Rosa, ou ap jwenn macaroni nan produit Rosa, ou ap jwenn savon lessive nan produit Rosa. De pou tande parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Et bien si m choisi vinn présenter au produit, m choisi parler de li, c'est parce que li bon. Pendant n'ap kore production locale la, avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque pour ses dos, nexayo qui a accaparé et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle yo même qui a fait business, c'est celle yo même qui est entrepreneur, et bien avec produit Rosa nous vinn ba yon riposte. Donc ou même qui à l'étranger qui intéressé pour ba yon zanmi, yon fami, yon business en Haïti, ou ka kontakte entreprise Rosa nan 28-13-01-40 ou bien ka toujours rele nan 36-99-94-02. Ou ap jwenn du riz, ou ap jwenn spaghetti, ou ap jwenn macaroni, ou ap jwenn savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence un business avec, donc pas hésiter. Moi même faire confiance, manger du riz, me tester du riz. Li pa bwè dlo, li pa bwè l'huile. Donc bon bagay. Donc ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo, et très bientôt là m pral commencer vin avec produit Rosa yo. M pral vin pote cadeau pou m pral vin fò tester yo, m pral vin fò goûter yo, tout pas inquiéter nous. Donc là, pas hésiter contacter entreprise Rosa et pour plus d'informations. Question m'a posé m par rapport avec gros débat ça qu'a fait sous notion simple ça, notion claire ça qui c'est extradition. Moi tout intérêt qui gagne pour comprendre ni pour connaître qui s'allier et pour positionner par rapport avec quantité interprétation misère interprétation qu'a fait là. Extradition c'est bagaille qui simple, c'est bagaille qui clair. Sauf que procédure yo très complexe. Là on parle d'extradition où elles sont en forme de coopération internationale entre deux pays côté que gon pays et requérant, gon pays requis, pays requérant, c'est pays côté que et action infraction en fait la Kaili pays qui en c'est l'autre pays côté et fugitif là le caché hein, et que pays A qui requérant li mandé à pays B qui c'est pays requérant pour le faire joindre Mounza pour le voyer le Bali et pour Mounza venir purger peine ou bien pour Mounza venir juger dans pays A. Donc là c'est simple, il y a une loi qui a déterminé extradition comme ça tout. D'habitude, c'est à travers traité que pays yo choisi yo signé ensemble, yo gon accord, yo gon convention qui basé sur extradition qui pral permettre non pareil situation et tellement de tels fugitifs qui viennent cacher la caille, fòm bay li pour le cal juge ou bien pour le cal purger peine etc. Donc là, nous avons une situation côté que gen Palacios Palacios qui Jamaïque, mais Jamaïque li déjà décidé lui-même la voyer le Colombie. Ça nous parle sous hier, nous fait émission sous hier. Là, nous venons trouver nous une situation côté que Sami Randal lui-même a arrêté dans le pays Turquie. Déjà là, et Claude Joseph lui fait connaître que il y a un ensemble de procédures, des démarches qu'a fait par bon côté autorité haïtienne, par bon côté autorité compétente pour arriver joindre extradition et Sami Randal pour demander l'insatisfaite pour le cas rentrer en Haïti, venir répondre à question au juge pour juger le condamné en conséquence. Mais ça pour nous connaître par rapport avec toute démarche ça.
Là, on a parlé de extradition, une procédure qui doit respecter. Et malgré nous en situation de coopération, malgré nous en situation d'entraide, il y a plusieurs aspects qu'on peut prendre en compte. Parce que premier bagage c'est qui s'allie. L'obralmandé pour voir un individu ou un fugitif barou. Parce que li font infraction dans pays qui mérite juger, qui mérite condamner, qui mérite pour le purger en peine. Il y a un ensemble de critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a ça qui relève les droits fondamentaux monde, les droits fondamentaux de l'homme. Pays requis en premier bagage, premier aspect pour regarder, li pour regarder est-ce que moun ça. Est-ce que moun sa mandé pour le voyer barou? Est-ce que la caillou conditions réunies pour protéger droit moun sa? Est-ce que la caillou la justice a marché bien? Est-ce que la caillou sécurité a marché bien? Est-ce que la caillou est-ce que avant tout d'ailleurs pour crime ça? Pour crime sa mandé pour extrader moun, est-ce que c'est pas un crime politique? Parce que extradition pas faite pour crime politique. Ça a interdit. Mais là on a considéré constitution haïtienne là. Constitution 87 là, déjà l'idée déterminée gon paquet et situation côté que nous toujours États-Unis, il vient en Haïti là, il arrêté haïtien, il arrêté canadien, il arrêté français, il arrêté moun livlé sous prétexte et trafic de stupéfiants et sous et mercenariat, il a fait ça tout, il a été arrêté plusieurs monde parce que il estimé que moun sa yo c'est des mercenaires etc. États-Unis avec Haïti, il y a plusieurs traités d'extradition qui lié yo. Gon traité 1912, gon traité et 1904 tout qui lié États-Unis et puis gon paquet traité que haïtien par et que Haïti parti là-dedans yo, que Haïti signé, que Haïti ratifié qui permet à ce que le a parlé de extradition yo ka tourner au vers traité ça yo pour décider comment procédure là pour l'appliquer et comment ça ka fait. Parce que je dis en là, on pas que monde cap dou que extradition, il pas supposé fait comme ça, c'est là-bas et que en Haïti là et moun sa yo Antonio Palacios Palacios ou bien Sami Randal, li Haïti malgré pas ta gain on traité d'extradition, Haïti ka toujours jeune monsieur sa yo. C'est faux yo chifo pour qui ça? Parce que nous non situation côté que l'on parle d'extradition, extradition le fait de bagaille. Li fragilise souveraineté pays hein? Parce que nous même qui entre dans souverainiste nous gè position par nous gè opinion par nous parce que li pas possible jouer constitution interdit pour nous livrer citoyen haïtien ba l'autre pays pour aller juger pour aller condamner etc. Constitution haïtienne nan li interdit ça donc nous comprenons très mal que je dis là pour un pile monde a considéré et le États-Unis dou yo nan cadre d'entraide nan cadre coopération pour yo vinn prendre genre yo té rentré là yo prend Guy Philippe à l'avel là pour nous battre bravo pour nous pas dire rien comme ça tout le n'a parlé l'extradition pour l'autre groupe moun li permettre nous faire ça qui relève continuité de la justice pénale donc un monde qui té fait un crime un monde qui té fait une infraction non pays malgré que en pile fois yo gen tendance à le cacher dans pays côté que yo konnen pas gen traité d'extradition avec pays côté yo fait crime nan malgré que yo konnen procédure là tellement longue procédure là tellement lourd si pays côté yo yé entamant des pays yo al cacher pour yo voyer retourner la difficile donc gon paquet moun gon paquet criminel qui prend habitude en façon pour yo pas purger peine yo en façon pour yo pas et subir condamnation qui t'a supposé prononcer contre yo pour faire et pour faire criminel yo fait hein donc moun sa yo tendance pour yo al cacher etc. Et ces gens nouvel là pour nous venir dans cause Sami Randal là côté Sami Randal lui-même li quitter Haïti sous haute escorte le Sami Randal a quitté Haïti c'est police qui t'a balle sécurité pour l'al prendre avion dans l'aéroport. Après ça Sami Randal li rentré États-Unis monté USA. Combien de temps Sami Randal passé aux États-Unis? Pendant que là en souterrain, nous gè FBI, nous gè DEA, nous gè différentes autres agences américaines qui viennent au dou comme ça, yo a participé dans coopération, y a fait entraide policière, y a fait entraide judiciaire avec Haïti en façon pour Jovenel Moïse jeune justice. Alors que moun sa yo
qui participe dans tuer Jovenel Moïse, qui participe dans complot, qui gen présomption de culpabilité sous doyo, y a flané dans Miami, y a flané et New York City, y a flané dans États-Unis, grand pays qui gen haute technologie, pays qui connaît présent soit avant même que gen t'arrive la caillou détecteur konnen sous sol là, et puis c'est comme ça yo géré causer sa mirantal là. Malgré Claude Joseph, par le biais de la DCPJ, yo te décidé pour yo mande États-Unis. Ça ka passe comme ça pour qu'ils arrivent pas les Amirandal. Mais c'est yo pas besoin de réponse favorable. Au contraire, c'est refus yo joine jusqu'à ce que ça Amirandal si le États-Unis pas remettre li ba Haïti. Et d'ailleurs dans tout traité d'extradition yo que Haïti signé avec États-Unis ou bien avec et différents et l'autre pays, toujours un seul bagay. Par aucun pays qui est obligé pour bail ressortissant dans l'autre pays, soit pour la juger, soit pour la condamner, pour la prison peine, etc. Par aucun pays qui est obligé, par aucune obligation, yo fait avec un pays ça yo qui part à un traité, qui si un traité pour le remettre en ressortissant. Donc nous pas comprendre comme ça mis en dal. L'histoire une pire riche famille en Haïti, ça c'est une Sami Randal, yo gen gros investissement aux États-Unis, c'est entrepreneur américain yo et tout. Sami Randal li plein et citoyenneté, li gen passeport haïtien, li gen passeport et turc, li gen passeport américain, là ont arrêté l'un gen plusieurs passeports la Cali, gen so immigration la Cali. Donc moun sa yo, c'est des moun qui extrêmement influents, c'est des moun qui extrêmement puissants, c'est des moun qui extrêmement fragiles, c'est des moun qui extrêmement dangereux, c'est des moun qui extrêmement corrompu tout. Sinon, comment le café là? Comment le café journaliste en seul dans le pays de Turquie? Parce que juge d'instruction Gary Aurélien, te met des mandats d'amener, etc. Donc là, ça pour nous comprendre, dans ce qui est pour avec procédure extradition. Son procédure qui est extrêmement longue. Son procédure qui est longue. Son procédure qui nécessite un paquet de démarches diplomatiques. Son procédure qui nécessite pour gagner respect principe juridique. Son procédure qui nécessite pour principe suivre une après l'autre pour éviter faillite, pour éviter trou vide. Là, on a regardé et gens, autorité, nous y aurait mais fait et show médiatique. Yo plus basé sur faire communication politique au lieu que assurer yo pour yo gérer ça qui gagne pour avec procédure là, pour yo gérer procédure là bien, pour yo étape par étape pour appliquer ça, pour appliquer en façon pour yo aboutir à le bon, à le très bon résultat. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Si Claude Joseph c'est coopération t'a cherché avec la Turquie qui aboutit avec arrestation Sami Randal, bravo. Ça li ka prend privilège pour et pour mettez sur les réseaux sociaux, pour le font tweet, pour le mettre sur page Facebook, etc. Ça, nous ne comprenons pas. Mais en dehors de tout ça, en dehors de show médiatique, ça, si je dis, nous ne pouvons pas vraiment accentuer nous sur comment nous pouvons le faire, mise en place, yo, de manière à ce que la Turquie bat nous, Sami Randal, de manière à ce que nous te ka faire jouer relations diplomatiques, nos rapports diplomatiques, nous, en façon pour nous te ka voir comment nous te ka jouer une palacios, malgré que nous connaissons Colombie, pas besoin de bail. Colombie pas ka gagner pour petit li ta vin la Cali pour ta bail Haïti, alors que ça là en Haïti, yo déjà jugé yo non conditions inhumaines, yo non conditions dégradantes. Donc là, deux principales suspect ça yo que Landal que li Palacios, c'est deux principales moun jodi an la qui extrêmement important pour enquête soit assassinat dossier Jovenel Moïse, mais c'est deux moun tout que Haïti pas risqué joindre pour venir répondre question de instruction Gary Aurélien. On va comprendre que Gary Aurélien peut-être pas là, li non situation qui difficile après menace entraînant bureau Gary Aurélien car c'est bureau tire sur machine Gary Aurélien à plusieurs reprises. Quand il y a de manière visible pour moun yo vini dans bureau, yo vini faire qui ça? Yo vini intimider juge d'instruction. Yo vini bien armé et jou ça me gen impression si juge Gary Aurélien était pour colle dans bureau, il pas de gen bodyguard à faire, c'est sûr que ça t'est capacité à nous pas même connait, nous pas même t'a pour elle t'a vini.
parce que c'est seul matériau ta batterie sous lit et puis ça était venir faire là ta faire comment un groupe monde on joue instruction sur un dossier un groupe inconnu sur côté sorti pour venir exiger pour le bar pièce qui relatif avec dossier assassinat pièce qui pour avec enquête avec instruction dossier pour le bar nous pour le côté page etc. Pourquoi faire on instruction dossier secrète. C'est juge instruction, c'est greffier, c'est eux-mêmes qui connaissent ça dans rapport d'audition, c'est eux-mêmes qui connaissent ça qui dans rapport et rapport de police qui t'est relevé, au rapport des CPJ etc. Donc là, ou vinn trouver une situation côté que yo sorti non, yo sorti de l'ombre. Yo sorti dans l'ombre, yo vini de manière flagrante, yo vini de manière et visible sous juge instruction pour yo vinn intimider. Qui est ce monde ça yo? Qui est ce monde ça yo? C'est la grande question. Gen moun jodi a la ki ka pran dossier Jovenel Moïse pour un dossier qui même Jacques tout dossier, un dossier qui simple comme une lettre à la poste, yo assassiné un président et ça passe. Mais non. Dossier Jovenel Moïse sont un dossier qui est extrêmement fragile. Li fragile à un point tel que dossier ça vinn justifier fragilité qui gagne dans le pouvoir judiciaire. Dossier Jovenel Moïse, li vin remettre en question coopération tout le temps a parlé entre différents pays qui dit yo ses amis Haïti. Entre différents pays qui dit yo paré pour yo remettre campé institution démocratique nous. Qui paré pour yo remettre campé institution juridique nous. Qui paré pour remettre campé la justice et la justice travaille normalement pour tout bagarre marcher bien. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si n'a pas considéré coopération qui t'a supposé gagner. Vraie coopération qui t'a supposé bail on résultat dans enquête dossier Jovenel Moïse. Tout fugitif ça, tout monde ça qui n'a marre, pas t'a gagner joindre yo. Et pas t'a gagner arrêter yo. C'est sûr que Jean Palacios qui était haïtien. Jean Samuel Randal qui était haïtien, c'est consort qu'a joindre John Joel Joseph qui était Haïti. C'est consort qu'a joindre Badjo Félix qui était Haïti. C'est consort qu'a joindre Wendell Kok qui était Haïti. Yo caché côté exactement pour nous. Parce que complot ça qui abouti avec assassinat Jovenel Moïse, li dépassé. Comme si nous voulait dépasser imagination haïtien. Li dépassé imagination nèg qui dans politique ici, nèg qui a terre là. Oui, c'est vrai, yo patron informe tête Jovenel. Yo te vle Jovenel Moïse ali. Sa tap dou yo pral mette du feu, yo pral bouler. Mais quelque part, yo te toujours bien réticence, yo te toujours peur. Yo te toujours peur pour qui ça pral comprendre. Si nèg sa yo te nan dimension pour yo te voye Jovenel Moïse ali déjà yo ta fèl. Pour manifestation que fait, si nèg sa yo te en mesure pour yo te tuer Jovenel Moïse ou pouvoir déjà yo ta fèl. Si nèg sa ote en mesure pour ote orchestré un bon coup d'état contre Jovenel Moïse pendant le président pas fait, c'est parce que quelque part te gen doute. Quelque part yo pote ko fin arrivé avec complot. Moun ki pou te vinn nan complot, ki pou te vinn ba yo approbation, ki pou te vinn ba yo aval, vinn ba yo feu vert, li pote ko parmi yo pou te comprendre pas. C'est pas complot pas te fait. C'est pas idée ou pas là. Yo pas de jambe ka abouti parce que Jean Jovenel Moïse est ap mené des pays. Jean Jovenel Moïse te gen moun entourage. Jean Jovenel Moïse te gen sécurité qui te là avec etc. Jusqu'à ce que moun ki pou vinn, moun ki pou vinn signer arrêt mort Jovenel Moïse, li rentre dans complot et puis ça passe. Sinon c'est rete Jovenel Moïse a prêté 7 février 2022 t'a pralé et puis élection t'a fait ou bien pas t'a gen t'a fait élection, mais moun ki pou ta vinn vini après Jovenel Moïse, c'est moun sa tap gen pou le vini. Mais non, il aurait fallu que communauté internationale là te rentre dans complot. Il aurait fallu que de manière visible, je dis alors regarder comportement américain, regarder comportement États-Unis avec Sam Yandal, ou obligé mettre un gros point d'interrogation en rouge pour dire tout. Mais pour qui ça a quitté Sam Yandal aller parce que et pendant que nous-mêmes n'a cherché Sam Yandal avec baleine nous pas kawel. Alors que était la caillou, il était caché la caillou. Est-ce que là nous avons une situation côté que yo refusé implicitement pour yo ta extrader Sami Yandal ba Haïti ou bien est-ce que c'est tellement Sami Yandal au courant bien imbu de ça que t'a passé de complot et c'est même moun sa ou t'a recevoir l'argent pour séparer distribuer qui fait que yo quitté Sami Yandal. Je suis sûr que
M'sûr que jodi an la nou pa nan position de force. Nou pa nan position de force d'un point de vue diplomatique, nou pa nan position de force pou nou ta exige ba nou zami randal. Le nap gade tout aspect technique yo la, que la justice, que la sécurité, que l'administration pénitentiaire, conditions pour droit moun respecté, zéro barré. Principe fondamental droit de l'homme yo pas respecté. Donc gen plusieurs bagay, gen plusieurs points. Gen plusieurs aspects que un avocat youn nan fugitif sa yo te ka évoqué pour empêcher que extradel. Et je dis en nous en situation côté que même moun sa yo si yo si ouais se n'a joué comme ça avec dossier la manger Jovenel Moïse, on va arriver dans une situation côté que chaque grain fugitif sa yo a arrêté dans terre étrangère. Ou comme ça va arriver, nous va arriver dans une situation côté que pays, côté que pays qui a toujours refusé de demander extradition à Haïti fait et puis Mounza, il va laguer col non pays côté que il va demander droit d'asile, il va douce ses persécutions politiques etc. Parce que la justice noire et nous avons une justice qui tête en bas. Nous avons un système judiciaire qui tête en bas. Nous pas respecter procédure, nous pas respecter délai, nous pas respecter forme, nous pas respecter fond, nous pas respecter rien. Donc puisque nous pas respecter procédure, n'a toujours en fait parce que pays nous pral adresser nous, pays nous pral voyer demande là aller. Li pa tant quoi Haïti. Pays ça yo pas savant tant quoi Haïti. Pays ça yo gen principe juridique yo, pays ça yo gen autorité judiciaire yo, pays ça yo yo respecter exactement délai qui doit faire, qui doit respecter pour enquête, qui doit respecter pour demande d'extradition etc. Mais là nous quitter ces shows médiatiques qu'a fait, là nous quitter ces show off qu'a fait pour nous montrer que n'a travail, nous voulons travail alors que travail qui pour faire yo dans la forme yo pas fait, dans le fond yo pas fait, là c'est perte de temps. On a perdu temps sur bagay qui extrêmement sérieux, sur bagay qui ka abouti réellement avec la vérité, rien que la vérité. Mais imaginez-nous avec dossier ça yo, avec Palan sur son bois avec Samir dans l'autre bord. Est-ce que là nous nous situation et de force? Est-ce que là nous nous situation côté que réellement nous en position? Nous en position pour nous ta faire et pour nous ta faire pression, nous en position pour nous ta exiger extradition. Extradition pas qu'à exiger, extradition en fait selon procédure, extradition qui principe, sous pas respecter principe, pas respecter procédure, nous sorry pour vous, c'est rete n'a prêté n'a pour justice Jovenel Moïse l'a passé. La passe n'a pas couru d'elle, mais nous ne pouvons pas quitter. Là, il faut que nous prenions ça qui est extrêmement important. Il faut que nous prenions en considération. Nous avons bien aimé connaître. Nous avons bien aimé connaître. Vérité qui cachait des assassinats de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, le nom est Jovenel Moïse, nous dit Jovenel Moïse. Ah, il semblait avec. C'est même nek d'être green même j'avais. Il semblait avec. Il t'a bataillé pour peuple, il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Mais derrière tout ça, il y a une vérité. Gon vérité côté que il y a des intérêts économiques qui sont en jeu. Il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques qui sont en jeu. Donc, l'on prend États-Unis dans l'ensemble, l'on prend l'administration Biden. Nan. Donc, Jovenel Moïse, on dirait que Jovenel Moïse, ça nous connaît les. Et on chose cette salle. Si nous avons dit comme ça, si nous avons considéré comme ça. Donc, le yon fin news, yon pas besoin encore, yon voyou non quoi. Donc, il aurait fallu prendre des mesures avec Jovenel Moïse. Il prend mesure, il prend là, qui aboutit avec ça, nous, avec passé 7 juillet. Hein? Et puis, qu'on est tombé dans une situation, côté que même il choisi pour il a coopéré pour la justice. Quelle justice? Il a coopéré, il a pas entraîné, il a veillé, même j'avais nous, il a veillé pour nous, il a cherché pour nous, alors que il a quitté fugitif, il a quitté volé, il a quitté malfrat, il a passé la caillou pour aller dans l'autre pays. Quel ami? Quel rapport d'entraide, quel rapport de coopération. En tout cas, n'a pas comprendre tout bon, nous gain intérêt pour nous faire pays. Nous gain intérêt pour nous batailler, pour nous remettre comme institution démocratique, institution légale yo. Parce que là, nous besoin d'un juge d'instruction qui vraiment ferme. Si Gary Aurélien senti et la prend trop pression, senti il vraiment intimidé. C'est le moment ou jamais. C'est le moment qui arrive là extrêmement important pour le dire. Bon, pressionner trop pour moi, je vais quitter ça.
Sou pa ka krasé kite ça, sou pa peur pression, pa peur intimidation, pa peur menace, ouvre le travail pour faire lumière. Même le nous arrivons dans une situation qui est extrêmement difficile. Là nous non encore faux. Nous non tournant côté que vrai visage, vrai monde qui participer, vrai monde qui comploter, vrai monde capable d'administrer complot pour tuer Jovenel Moïse. Étape par étape pour commencer gon idée sur qui est sur. Commencer gon idée sur moun yo. L'on considère famille Andal, yon nan famille qui pi riche en Haïti. Yon fait toute qualité business en dedans pays. Yon gen toute qualité entreprise en dedans pays. Yon fait l'argent tout côté en dedans pays. Et gen Voxal qui tellement sale, j'en ai dit, ou ta saisi pour ta laisser même non mounza qui a participé là. La dernière date, yon mari Zami Andal nan tué Jovenel Moïse, nan participé nan complot. Comme présumé coupable assassinat en président de dans pays. Donc on dirait que mon za yo pa jam contenté yo. Yo appauvri population haïtienne nan, yo pa contenté yo. Yo nan trafic, yo pa contenté yo. Y a fait ceci, y a fait cela en dedans pays qui gen impact sur la vie moun, qui gen impact sur santé moun, qui gen impact sur sécurité moun, yo pa contenté yo. Donc qu'est-ce qu'il leur faut encore? C'est même janté ouais, yo té maré. Yo te mari nan kidnapping nan. Imaginez nous. On fait parenthèse ça pour nous comprendre. Imaginez nous. Si Brant son petit malheureux, petit malheureux était kidnappé. C'est ton petit soyette qui était kidnappé. Nous pensons Brant li pa ta faire le tour du monde dans moment là, li pa ta pas à l'aise comblaise. Nous pensons Brant tap nan prison, Brant tap jugé condamné pour kidnapping jamais. Clifford Brant pa tap jamais nan prison. Nous connait pour ça Clifford Brant nan prison. Parce que Clifford Brant li attaqué avec un plus gros poisson que lui-même. La famille Moscoso l'a prend mon sa yo qui se groupe Soje Bank. C'est une bataille de clan qu'a fait. Ça c'est bataille moun qui gagne l'argent qu'a fait pour enrichir davantage. C'est ça qu'il faut Brant en prison, mais c'est de même. Jovenel Moïse jodi a yo assassiné. L'a imagine des familles puissantes dans la République qui gen nan yo cité, qui gen nan yo et impliqué dans dossier ça. Nous pensons son bon matin yon ni crété, yon vini chita yon kwaze pi yon tue Jovenel Moïse. Nous pensons si pat gen moun ki encore pi puissant que moun sa yo. Nous pensons que complot sa tap instrumentalisé, complot sa tap fait jamais. Faut gon moun ki pi puissant passe yo ki pou ba yon aval. Faut gon moun ki pi puissant passe yo ki pou ba yon garantie de protection. On garantit que yon a sorti, même leur nervosité, mais yon a fini par laver, yon a clean yon. Nous comprenons? Moun sa yon gon combat yon fait. Et c'est là nous pral wè. Deye chaque grain moun qui font action, gon moun qui la pour le protéger yon. Nous pral bon exemple simple. Bien avant, pral comprenne que Claude Joseph, nan position li la, et Claude Joseph li besoin plus, et li besoin plus moun a backup li. Backup li pour qui ça? Parce que li initié procédure diplomatique, li initié ça qui doit fait d'un point de vue diplomatique, chercher contacter l'autre homologue, chercher contacter et l'autre ministre affaires étrangères l'autre pays qu'on doit prendre fugitif là le cachet etc. Li fait yo. Mais en dépit de ça, c'est pas relation zamita, relation personnelle ou gen avec homologue pour régler bagaille parce que pays yo gen principe yo. C'est assuré qu'on respecte les procédures qu'il doit respecter. Hein? C'est assuré qu'on respecte les délais qu'il doit respecter. Hein? Et nous allons comprendre. Gen histoire et Julian Assange qui était éclaté dans pays États-Unis côté que avec WikiLeaks, li met un paquet d'informations secret défense américain dehors. Li publié yo et c'est là tout, nous t'allons venir prendre connaissance de et Yuri la torture comme effronté comme politicien plus effronté vermine politique en Haïti. Donc depuis le an, Julian Assange li lagué pied li quitté États-Unis. Il était allé réfugié li et à Londres dans ambassade Équateur. Donc et comme si l'ordre dans ambassade pays aurait été là et comme si c'est dans pays on li et comme si à Londres li refugié li en Équateur. Donc li passé 7 ans là. Ou pral vin trouvé nou en situation côté que États-Unis mandé pour yo extrader Julian Assange ba yo. Mais qui s'arrive? Nous vin rive nou en situation côté que gen plusieurs bagay qui rentre en ligne de compte et c'est ça qui t'a pral permettre tout yo refuser demande d'extradition que États-Unis t'a adressé yo. Pour qui ça? Parce que yo estimé
Julian Assange li en sécurité dans l'ambassade Équateur à Londres au lieu que l'était à l'États-Unis. Pour qui ça? Parce que gen risque l'elle rive États-Unis pour le suicide de tête li, gen risque l'elle rive États-Unis pour le victime, gen risque pour condamner jusqu'à 175 ans de prison aux États-Unis. Donc meilleur côté li te karete, c'est rete dans l'ambassade Équateur à Londres. On va le venir joindre pays Mexique qui offre l'extrait et qui offre et asile qui mande le pour venir la Cali parce que lui-même avec États-Unis et yo même yo pas dire n'a causé extradition. Tout ça pour vous dire que pas aucun pays qui pral prend yon citoyen peu importe ça ou te ka reprocher là. Il suffit que droits fondamentaux yo pas respecté. Il suffit que la vie moun nan menacé. Il suffit que retourner moun nan nan pays requérant, c'est son fardeau, son point négatif lié pour moun nan. Yo a pour repenser et yo ka toujours annuler demande d'extradition. Ça est extrêmement important. Jamaïque li pa en mesure pour l'extrader par la sauce en Haïti parce que ou trouve nous en situation côté que Colombie lui-même li gen démarche à faire pour citoyen la fait des démarches pour éviter par la sauce rentrer en Haïti parce que droit moun pas respecté en Haïti, procédure pas respecté en Haïti et cette pénitentiaire c'est chargé. Donc gon paquet problème nan appareil judiciaire là. C'est de même là avocat Samiandal nous pensons qu'il va le croiser bras il va le garder d'ailleurs nèg la gen l'argent déjà li fait l'argent dans pays il fait l'argent sous d'autres pays ya. Donc c'est normal avocat bras je pieds et mains là pour Samiandal rentre en Turquie. Donc malheur avec nous même si nous pas prend devant pour nous prouver gain réelle nécessité gain urgente nécessité pour yo extrader Samiandal vienne répondre question. C'est nous-mêmes qui pour prendre devant avec procédure, preuve à l'appui, pour nous justifier demande d'extradition, non, pour nous, qui ça le rabaille. Malgré il y a toujours l'influence des États-Unis qui a toujours barré de la route. Ah oui, c'est extrêmement important. Parce que toute façade nous a fait là avec FBI et façade nous a fait avec DIA, c'est comme si moun qui vini pour yo cacher pisse. C'est comme si moun qui vini pour yo brouiller pisse. C'est ça. Et c'est nous-mêmes qui pour garder qui gens vraiment. Qui gens nous ca et bataille pour nous remettre campé institution yo, bataille pour nouvelle Haïti ça n'a prôné matin midi soir pour réaliser vrai, pour nous gon pays côté que état de droit, c'est pas seulement en expression, c'est pas seulement un mot n'a collé, des mots n'a collé, mais c'est en réalité la projeter. Nous besoin la justice fonctionner. Faut que la justice fonctionne. Donc là en dépit de tout bagay sa yo, en dépit jodi an la nous non situation côté que la justice poko ka bay réponse, la justice poko ka vraiment, la justice pas en mesure jodi an la pour ba en réponse avec délinquants sa yo, avec moun sa yo qui gen l'argent, qui choisi mette l'argent à la disposition au groupe mercenaire pour tuer Jovenel Moïse. Et là faut moi di nou le ballon en pied nous. Famille Jovenel ballon en pied, mordinez les enfants, autorité yo pour nous joindre un résultat. Qui résultat? Positif ou négatif, faut un résultat. Mais m'espérer ces résultats positifs là, c'est aboutissement avec entraide judiciaire en janvier, la coopération pour deux mesures à revenir à Haïti. Tôt ou tard, faut que yo ka répondre une question. Faut que dossier Jovenel Moïse, faut que li ka fini. Faut que procès a ka tanmen, faut que condamnation yo ka prononcé et faut que tout moun ki coupable de loin ou de près ka purge pen yo. Moment arrivé là pour nous mettre en bout dans l'émission Mon Éditorial pour jeudi. On a fait le tour de ce qui a trait avec cause extradition, avec Samiandal, Palacios, avec gros débat ça qui gagne et sur réseaux sociaux. Est-ce que le possible pour extrader? Est-ce que le pas possible pour extrader? C'est moi qui connais, pas connais, pas qu'être tolé, inutile. La seule chose, c'est que nous vivons dans un pays côté que droit moun pas respecter. Nous vivons dans un pays qui est fragilisé par la politique, nous vivons dans un pays qui est fragilisé par l'insécurité, nous vivons dans un pays côté que sous victime là par contre qui s'est pour aller ou par contre côté pour aller ou par contre ça pour faire. Donc faut qu'on bataille qui pour faire pour changer le système là, faut qu'on bataille qui pour faire pour nous joindre résultat et faut qu'on bataille qui pour faire
pour nous prendre conscience que Haïti besoin chaque grain petite li, Haïti besoin toute petite li pour changer la ville. Rendez-vous là, li kase pour demain. Sous même chaîne nan nan même le des micro présentation. C'est toujours même Yannick la même voix, rien pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Mon éditorial entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, de chez Chanel Paula pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.